Et bonjour à tous, c'est Matt du 29. Comment allez-vous? Donc moi, pour ma part, ça va super bien. Donc on se retrouve pour un petit tuto, pour un petit tuto, pour un petit petit épisode sur Eurotrack. Donc on va se prendre de Mainz 17 000 jusqu'à Amsterdam pendant 8 minutes. C'est parti. Donc, je vais le chercher. Donc, moi je vous dis petite ellipse et à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est reparti. Donc je fais tac. Donc, je prends celle que j'ai paramétrée sur mon GPS. Alors, elle est où? Elle est là. Hop, c'est parti. Donc, on va vers là-bas. Donc à droite. Donc là on a pour pop hop hop hop. Donc après on y va. Je sais plus combien de chevaux j'ai, mais je crois que j'en ai pas mal. Hop. Et c'est parti. Putain, mais va plus vite. Ouais, c'est con. Hey, on va tout donner. Allez, ça y est, c'est parti. Bon, là, c'est la voie express, donc normalement. On va aller plus vite.
Donc pour l'instant, au niveau des modifications, je fais pas trop parce que l'argent n'est pas là. J'en ai pas beaucoup d'argent. Hop, c'est parti. On met le régulateur et on y va. Peut-être faire l'essence. On aura assez pour... Oh oui, ça devrait passer. Mais 400, ouais, c'est bon. Putain, il va pas vite, lui. Ah, je suis à 90. Hein. Bien, je vais aller tout droit, donc je sors pas pour l'instant. Je reste sur la file du milieu. D'ailleurs, on va où là? J'ai même pas regardé. On va à... Ouais. On va à Amsterdam. On a 15 tonnes de d'électronique dans le dans la benne. Ben, dans le, comment on appelle ça? Dans le, ouais, dans la remorque, quoi. Ah, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Je sais pas, mais comme chez moi d'ailleurs, chez moi c'est le gris. Il fait gris, ouais, là ça commence à s'assombrir, donc je pense qu'il va pleuvoir. Tiens, allez, j'ai gagné. Donc nous on continue toujours tout droit. Voilà. Hmm. 1381 et il nous reste 480, 443 km. Bon. Je sais pas si on va faire l'essence ou pas. Bon, allez, j'irai faire l'essence au prochain, oh, à la prochaine pompe. Hein. Comme ça, on sera sûr. Maintenant, je vais tout droit, donc je reste sur cette file. Ah, quel temps! Bouh! Il pleut! Oh merde alors! Ça c'est vraiment chiant quand il pleut. Même en vrai c'est chiant parce qu'on peut rien faire quand il pleut, on peut pas être dehors. Soit on est obligé de rester à l'intérieur. Bon, si on bosse à l'intérieur c'est tant mieux, sinon ben, à l'extérieur. Quand il pleut comme ça, je crois qu'on peut rien faire. Ah. Il y a une pompe à essence. Moi, je vais aller faire ma petite essence même. Pour éviter d'être à court d'essence, vaut mieux que j'aille faire de l'essence.
Allez, c'est parti. Le plein. Ah. Tac. J'ai pas besoin de dormir. On repart tout de suite. Hop. Allez, on repart. Donc il reste plus que 5 heures, 5 minutes. Ça c'est bon, il pleut plus. Donc on va enlever les feux. Voilà. Bon. Ah, il fait beau, ça y est. Enfin. Dans le jeu, parce qu'en vrai, chez moi il pleut, il fait pas beau, il fait gris. Depuis ce matin. Donc je fais ça. Alors, je sais pas si c'est moi, mais là, le son du camion, il est pas du tout modifié. Ou alors, pourtant, il y a marqué qu'il peut y avoir des modifications. Alors, à moins que ce soit quand on a mis le V8, mais bon. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de changements. En ce moment, les missions, ça donne pas beaucoup. Ben, ça donne pas beaucoup d'argent, je trouve. C'est que dans les entre 10 et 20 000 euros, c'est pas cher. J'ai hâte, c'est d'avoir un peu plus de d'argent. Bon, lui, j'attends qu'il me dépasse. Voilà. Et on est reparti. Il reste 4 minutes. On va se ranger là. Non, vaut mieux que je me mette sur la voie de gauche, là, bah, du milieu. Comme je dois aller à Amsterdam, il faut que je continue tout droit pour l'instant. Bon, ça sert à rien que je me range parce que de toute manière, je dois continuer tout droit aussi. Et après aussi d'ailleurs.
Pour l'instant, je sors pas de l'autoroute. Et il reste 4 minutes. Plus que 4 minutes, ma purée. Mais à vrai dire, on fait du 90 à l'heure, donc c'est un peu logique que comment dire que le temps avance vite. Donc il n'y a toujours pas de mise à jour à l'horizon pour ce pour retrait. Donc là on va toujours tout droit. Allez. Pareil, toujours droit. Alors. Donc là, pour l'instant, je reste en face. Je reste sur cette voie-là. Bon. On approche. On approche, on approche. Si c'est là que je dois sortir. Oh purée, heureusement que j'ai regardé mon GPS là. J'allais continuer tout droit, moi. Il faut que je sorte. Oh, t'es con toi, quoi? Bruti. Quel imbécile. Allez go. La petite route de campagne. Ah zut. Mais pour l'instant, ça va. Allez, go, on y va, on fonce. C'est bon. Je reste appuyé sur le sur la pédale parce que sinon je sais que je vais devoir freiner de temps en temps, donc vaut mieux que je reste en normal que en régulateur hein. La frontière, donc ça y est, on arrive aux Pays-Bas dans 2 minutes. Pratiquement, on arrive à Amsterdam. Alors, aussi, je sais pas si je vous l'ai dit, mais en fait, j'ai essayé mon volant. Donc mon volant Logitech Dragging Force sur
ce week-end sur ma PS3, donc sur Gran Turismo 5. Je peux vous dire que là, c'est pas bizarre, mais ça fait bizarre de voir que le volant force dans un sens, dans le sens contraire du sens où on est. Que je vous explique. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand vous êtes sur une course, par exemple dans Gran Turismo, pour ceux qui connaissent, le volant force dans le sens contraire dans le sens duquel vous tournez. Donc, ça veut dire que il vous contre, donc il faut le contrer pour rester droit aussi. Ça, c'est. J'ai adoré ce moment où le volant me contredisait absolument. Donc, c'était assez. Assez marrant. Donc j'ai fait des petites courses comme ça d'arcade pour voir un peu en tout seul contre une petite course quoi, pour voir. Et quand j'ai testé, ben purée, je peux vous dire, il en a dans le ventre, hein. Le petit volant. Bon après, je pense qu'on peut régler le retour aussi sur Gran Turismo, mais là, je pense que j'ai pas réglé, donc il devait être au maximum. Donc quand il contrait à toute avec une force pas possible et j'ai réussi à la contrer avec les deux mains sur le volant. Une main c'était impossible. Alors pour passer les vitesses, ben c'était un peu compliqué quoi. C'était un peu short on va dire. Alors soit on fait avec le comme je fais là en ce moment sur Euro Truck, c'est-à-dire le levier en séquentiel, ou alors avec le pad derrière. Avec les deux pads. Mais c'était vraiment short. Une impression, mais c'est une bonne impression, hein. C'est super quoi, mais c'est vachement dur quoi. Il a une force, mais incroyable quoi, la force. J'avais envie de vous parler de ça et donc j'ai testé. Donc je pense que il faudra que je trouve un support pour le mettre sur ma PS3, pour être bien installé quoi. Je sais pas si j'ai des tables, si j'ai quelque chose pour le mettre en bas, pour le mettre à côté avec ma PS3. Mais alors là, par contre, j'ai beaucoup apprécié ce moment-là avec sur ma PS3 ce week-end. Je pense que je referai un de ces jours. Je sais pas quand, mais. Donc pour l'instant, on va tout droit. Donc je peux rester là de toute manière. Vu que je vais tout droit, nous allons à Amsterdam. Dans 47 secondes, on y est, donc 40 secondes bientôt. Pam pam pela, pam pam pela, pam pam pela, pam 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 pela. Je peux rester là d'ailleurs. Allez, dans 30 secondes bientôt. C'est vrai que le volant, j'ai bien fait d'acheter ce volant, il me plaît bien. En fait, j'ai acheté quand je l'ai acheté, il était à 100 € sur Amazon, il me semble. Maintenant, peut-être que ça a changé, mais c'est un bon volant. Il a le 900 degrés, surtout, c'est ça que j'aimais bien, que je voulais avoir. Il a 900 degrés, il a plein de boutons. Il est. Sur Euro Truck, je peux paramétrer tous les boutons qui sont sur le volant, même ceux qui servent pour la PS3 ou du moins pour Gran Turismo 5. Par contre, sur Farming, il y a quelques boutons qui marchent pas.
Donc ça m'embête un petit peu parce que du coup, moi j'aime bien tout utiliser, comme ça au moins ça fait plein de... Il va pas pleuvoir quand même. Il pleut pas là quand même. Ah si, il y a quand même un bruit. Ouais. Donc on va sortir là. Bah 50, hein. Alors, on est à 50 en ville. Et au feu, on va à gauche. Ah, vert. Bon, bah alors, allons-y. Oh, putain! Donc là, on approche. Oh putain, les feux, ils sont chiants ici. Ah. Mais je pense que... Ouais, c'est y a quand même... Merde, c'est où que je dois aller, moi? Ici, sans doute. Ah bah tiens. Oh bah y a pas beaucoup de remorques ici. Alors moi j'aime bien, c'est la vue intérieure. Non. C'est dans l'autre sens. Hop. On va se mettre bien. Hop. Frein à main. On éteint. Et on active. Normalement. Oh, bon travail. Un bon. Bon, c'est pas grave. 2% de dégâts. Donc, ce qu'on va se dire, bah, on va s'arrêter là, hein. Donc ben je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde, c'était Matt du 29. Donc pensez à vous pensez à vous abonner si vous aimez mes petites vidéos, hein. Et surtout n'oubliez pas les petits pouces verts, ça me fait toujours un petit plaisir. Allez, c'est bon, ciao tout le monde.